Tobilas. Sa Majesté. La fête du quartier Singla s'est déroulée comment? Sa Majesté, c'était les Soula. Hein. Et c'était un petit problème de la boisson. Quand ils ont même souvent leur petit problème là, il faut qu'ils restent même tranquilles. Affaire de boisson. Donc quelqu'un sort son argent, achète la boisson, boit et achète des problèmes. C'est très bon. Tu sais quoi, Bilas? Non, Sa Majesté. Dans ce village, ce sont les chefs qui comptent. Quand je t'envoie pour un problème, que ce soit mariage, terrain, c'est l'argent. Tu as coupé combien? Sa Majesté, je n'ai même pas pensé à ça. Et puis ça, c'était les problèmes bidons. Et je n'ai pas su trouver qui est coupable ou pas. Parce que ça n'avait pas de raison. Assez, Linder. C'est moi qui dois te dire comment faire dans le problème. Que ce soit bidon ou pas, au coude. Dans chaque problème, tu choisis ton coupable, tu l'amendes. On a besoin d'argent pour vivre, c'est comment? Il y aura ça prochainement. Assez, il n'y a pas de prochainement. Moi j'avais besoin de 25 000 aujourd'hui. Rassure-toi qu'avant la fin de cette journée, tu me fabriques ou bien tu me couvres 25 000 francs. Rassure-toi, 25 000 francs, fin de la journée. Ouais, Melon. Mettez-vous un peu à ma place. Ah. Me mettre à ta place? Melon devient guerrier et le guerrier devient Melon. j'étais à l'œil. Moi j'étais à l'œil. En tout cas, tu m'as fait venir ici pourquoi? Melon, un autre villageois là avait son problème de coq. Il nous fait attendre. D'ailleurs, pourquoi tu ne pouvais pas gérer ça? Melon, c'est qu'il n'y avait pas les deux parties. Il est venu seul, sans le coq dont il accusait. Je ne pouvais pas gérer seul. Linde, je sais que je ne peux pas compter sur toi. Si moi je mets mes forces sur toi pour devenir riche, je veux demeurer pauvre comme mon père. Le père de mon père. Le père de mon père. Ouais, Melon. Ils étaient quand même des chefs. Même mes enfants risquent d'être pauvres. Je suis obligé de me prostituer derrière les politiciens Linde pour avoir de quoi manger. Ainsi que mes épouses et mes enfants. Mais Melon, Linde. Au moins vous êtes chef. Et que même vos grands-parents étaient chefs. Mettez-vous un peu à ma place. Je suis votre serviteur. Mon père était le serviteur de votre père. Mon grand-père aussi, le serviteur de vos arrière-arrière-grands-pères. Que deviendront de mes enfants? Eux-mêmes, ils vont demeurer serviteurs de la chefferie. Combien de fois même mes petits-fils? Linde, Melon, fais très attention. Melon. Fais attention, hein? Fais attention! Melon, d'habitude, et... J'ai même envie de quitter ce poste, fuir le village, aller fonder ma famille ailleurs, parce qu'ils vont demeurer que les serviteurs. Linde, n'y pense même pas, n'y songe même pas. Toi, tu es mon serviteur. Ta femme est la servitrice de ma femme. Ton chien est le serviteur de mon chien. Tes poules sont les servitrices de mes poulets. Ainsi de suite. Si tu tentes de quitter ce village, non. Non. Linde, tu es mon serviteur. Tes parents, tes petits-enfants. Melon, Melon, il n'y a pas de Melon, il n'y a pas de Melon. Azem Melon. Ce village, depuis quand mon fils, l'ancré de la chefferie est pas derrière? Oubanchoko, tu es bandit? Yann Melon, Zumanto, Jougebo, monsieur le guerrier. C'est les raccourcis qu'on cherche, Mbalon. Ce n'est pas deux choses. On cherche les raccourcis. Monsieur, tu veux monter un coup d'état avec Sa Majesté? Je te vois venir. Non, non, je ne monte pas de coup contre Sa Majesté. Majesté, vous me connaissez. Je suis un servant, un fils fidèle de ce royaume. Laissez-moi juste vous exposer mon problème, Melon. J'ai une longue vie à vous, à votre serviteur, à votre palais et à tous les autres, Melon. Oui, mon fils, dis-moi, tu m'as fait attendre depuis. C'est quoi ton problème? Zumando, Jougebo, à Kungap Tonjo. Kungap Tonjo, Gue, Boussouam Zéfa. Le coq de Tanja, ce coq noir, jusqu'aux lèvres, jusqu'au bec, jusqu'à l'œil, jusqu'à la tête.
Coq. M'a fait perdre mon travail. Hey, coq. Travail. À cause d'un coq, un villageois comme toi reste sans travail. Ce fameux coq, qu'a-t-il fait? Zumanto, mon guerrier. Me voilà présent au lieu du service Pia. Le patron devant ma coupe. Monsieur, j'attends votre lettre de démission. Aïe. Tout soumis, monsieur le patron. Qu'attendez-vous dans ma lettre de démission? À compter d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie de mes employés. Aïe. Aïe. Et me voilà, coucou. Une lettre. C'est bien noté. Allez au quartier et dites aux autres membres que s'ils continuent à faire comme vous, ils seront aussi démissionnaires volontaires. Je demande que... Affaire patron et toi, qu'est-ce que le coq de Tanja qui est noir jusqu'aux lèvres va avoir dans vos problèmes ou bien ta démission? Mbalon, si Tanja n'avait pas ce coq, mon patron ne m'enverrait jamais me balader. Voilà le nœud, Majesté. Mais maintenant, il n'y a rien de vivable dans vos problèmes. D'ailleurs même, si vous n'avez rien à dire, rentrez chez vous. Sa Majesté, un instant, asseyez-vous. Qui paye les amendes de 25 000 d'avoir déplacé Sa Majesté pour rien? Qu'est-ce qu'il dit de bon? Yambalanzu, je ne faisais pas déplacer pour rien. Permettez-moi de m'exprimer jusqu'au fond de ma pensée. Figurez-vous que il y a de cela 2 semaines, le corps de Tanja chantait à 6 heures pour réveiller les quartiers. Mais la semaine passée, ce même coq qui l'autre semaine chantait à 6 heures a commencé à chanter à 7 heures. Mais bon, je me lève tard, j'arrive au travail en retard. Et cela, j'accumule ce retard. Et voilà que le patron me fait écrire un tas de lettres. Quel coq audacieux! Mon fils, as-tu demandé à ce coq les raisons pour lesquelles il a décidé de chanter maintenant à 7 heures? Mbalon, ce coq étant têtu, j'ai demandé à son patron, à son maître Tanja, de changer ce corps pour prendre un corps même dans un village voisin qui chanterait à 6 heures pour nous réveiller à l'heure qu'il faut. Mais Tanja s'est fait la tête dure. Je devais faire comment? Le corps ne me parle pas. J'ai même poursuivi ce corps pour l'arrêter et l'amener ici en justice. Mais ce corps s'est enfui. Linda, ce problème a du jus. Toi, tu vas aller chez Tanja. Dis à Tanja que son coq a été jugé au commissariat royal de Nankin. A été amendé de 25 000 francs fois 3. Et que désormais, qu'il s'assure que son coq chante à 6 heures pour réveiller les quartiers. Sa Majesté, vous m'avez oublié. Oh, Linda, vas-y d'abord. Je vais faire l'effort de vous donner les plumes de ce coq pour que vous faites vos ornements chez vous avec. Vas-y. Yambalan, mon guerrier, je vous remercie d'avoir résolu mon problème. Puis-je me retirer maintenant de la cour royale? Se retirer? Vous n'avez pas payé les frais de justice. Pour vous, vous avez amendé de 25 000 fois 1,5. Aïe! Ah oui. Ah oui, mon fils. La justice dans tout le monde se fait payer. Celui qui porte plainte, paye. L'accusé, paye. Et celui qui paye le problème, paye maintenant les amendes. Donne ton argent, mon fils. Yambalan, comme je n'ai pas d'argent liquide sur moi maintenant, est-ce possible pour votre valeureux sujet de payer cette caution en nature? Mais quelle nature? Guerrier, je peux travailler dans le champ de Sa Majesté? Linda, Sa Majesté, ce monsieur a l'air d'être un bandit. Il faut l'attraper, mets-le en prison.
jusqu'à ce qu'il paie ses 25 000 fois un demi, deux fois. Sa Majesté, ayez pitié, Majesté. Mon fils, il n'y a pas de pitié dans mon vocabulaire. Non. Ouais. Je me plains, on me met en prison comment? C'est ça la justice. Ah oui.